Salut à tous, c'est Mathilde et Benji. Salut. De Gaming Room TV, du coup. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un test, enfin pas un test, mais un gameplay. Où Mathilde va essayer de nous faire un top 1. Ouais, je vais essayer. C'est pas facile. Alors Mathilde, je vais te proposer un petit pari. Oula, qu'est-ce qu'il... Ah, il est malin. Lui. J'aime bien. Il est malin. D'accord, alors ton pari... Alors, en trois fois. En trois fois, trois essais, d'accord. En trois essais. Si et... tu arrives à faire un top 1 oui. sur les trois essais, je te referai un resto. Celui de ton choix. Ça peut être un très gastro, ça peut être, tu vois, n'importe lequel. Par contre, si au bout des trois fois, t'as pas fait un top 1, tu m'achètes un jeu. D'accord. Je relève le défi. Ah, bah impeccable. J'aime bien les défis aussi. Alors moi, je vais en profiter que Mathilde soit concentrée sur son jeu pour essayer de gagner. Pour vous dire un peu les actualités de la chaîne, ce que je prépare. Parce que du coup, je ne sais pas ce que mes amis d'IGG, enfin nos amis d'IGG vont nous faire comme vidéo. Mais dans les prochaines semaines, il y aura... un compte-rendu achat. Un compte-rendu qui déchire numéro 2. Du coup. Et je suis en train de réfléchir sur le jeu que je vais utiliser pour faire mon prochain Game Rider. D'accord. Je pense que ça sera Gun, peut-être. Mais pas sûr, je suis pas encore très motivé à écrire l'intro, c'est ce qui est le plus intéressant finalement. Et je galère un peu. Alors oui, j'ai du mal à voir parce qu'il y a le micro. Alors vous le voyez sûrement dans la vidéo, il y a le micro juste devant moi. Du coup je vois pas trop bien ce que fait Mathilde. Des fois sur certaines parties je suis pas attaqué et là ça commence fort. Alors faut savoir que Mathilde est assez forte, hein. Vous le voyez de toute façon elle manipule ça très très rapidement. Et quand et donc un pari sur 3 chances de faire un top 1. C'est dur de faire un top 1, même quand on y arrive. C'est tout à fait possible pour Mathilde. Ah bah oui, j'en ai fait plus de... je crois que j'en ai fait plus de 200. C'est quand même pas mal. Oh bah il y en a qui en font plus que moi, hein. Il y en a plus fort que moi. Hein. Mathilde, c'est la... c'est un peu le Fortnite du Tetris. La pro Fortnite du Tetris. Ça veut rien dire ce que je dis. Non, ça veut rien dire. Ouais, c'est vrai. Non, c'est... Il a du mal hein, ce soir. Ça, c'est la fonte. Ça. Je rentre du boulot. Ça grise tout. Je dis, on va faire une petite vidéo détente. Oh, oui, c'est ça bien. Ça va nous changer un peu. Hop là, l'enchaînement, ça, j'aime bien ça. C'est bon ça. Ouais, pour l'instant. Avec ça, j'irai loin. Oui ou non, ça dépend comment on place. Là, il y a encore quand même du monde à éliminer. Hein. Il y a encore 60 personnes, j'ai du boulot. Ouais, 59 maintenant. Et t'as pas encore fait un seul KO. Bon, ça va venir, t'inquiète pas pour ça. T'as vu le monde qu'il y a sur moi là? Oui. Tu t'es mis en riposte? Ouais, je suis toujours en riposte moi. D'accord. Moi je suis plutôt une contreuse qu'une attaquante. J'attaque, hein, mais souvent je contre. Je sais très bien contrer les adversaires. Enfin, par contre, il y en a, ils sont très forts. Hein. Autant moi j'aime bien jouer à ce jeu-là, je suis pas mauvaise, mais autant il y en a, c'est des cadors quand même. Des fois, c'est atroce. Je pense que c'est le jeu depuis sa sortie auquel t'as plus joué. Ah, bah oui, en même temps, je ne joue pas beaucoup. Je joue un peu à FIFA, mais. Ah oui, non. Ça dépend des périodes FIFA. En ce moment, c'est vrai que j'ai pas trop joué ces derniers temps à Tetris. Plus à FIFA, j'aurais envie de jouer à FIFA. Si Mathilde devait choisir un jeu sur Switch, ça serait Tetris. Oh, bah oui, moi j'aime bien. Puis j'aime bien faire des battles. Ça donne du piment. Des fois, je m'énerve. Avant, on jouait beaucoup à Mario Kart, mais c'est vrai que Tetris, ça a bien remplacé le truc. Ouais, moi j'ai un peu moins de maîtrise à Mario Kart. Hein. Des fois je gagne, des fois je perds. Je perds plus souvent que je gagne. Ah ouais. On s'était testé avec les Vosgiens, tu te souviens? On avait tous essayé de te battre chacun notre tour à Marseille. Ah, Tetris! Ah, Tetris, ouais. Quasi impossible, quasi. Si Benji a déjà réussi sur Puyo Tetris parce qu'il y avait Puyo. Mais bon, je suis très très mauvais. Non, t'es pas mauvais. Ah, comment il essaie de dénigrer mes performances en disant qu'il est mauvais. Oh, 34ème place. J'aime pas qu'on dise. Je suis pas nul à Tetris, hein, non. Il y a plus fort, c'est vrai, mais. Je suis pas nul. La confiance en soi, la Mathilde. Non. Sur Tetris, oui. Attendez, il essaie de me déconcentrer pour avoir son jeu. Vous avez vu sa tactique? Je compte sur vous, hein, tous, hein, pour. Si elle triche, vous me dites hein, dans la vidéo, hein, parce que j'ai pas envie de me faire arnaquer, moi. Il y a pas de triche, hein. Hein? Faut pas qu'il me vole la manette. Ça fait 3 KO, Mathus. Oui. Je sais pas si ça t'importe, mais... M'en fous.
Ok. J'ai déjà réussi à gagner sans faire de KO. Hein. Ah si quand même, obligé, un. Ah, oui, à le dernier, je suis bête. Mais oui, souvent, mais par contre, je crois que mon record c'est 20. C'est beau. Mais j'avais tout le monde sur moi. Alors c'est un avantage comme un inconvénient, quand vous avez tout le monde sur vous, et que vous arrivez à contrer, ben là vous explosez tout le monde. Par contre, si eux ils prennent le dessus, c'est compliqué. Alors là, quand même 17ème. Alors moi, quand je joue à Tetris, je suis satisfaite. Bon, bien sûr, quand je fais les premières, mais j'estime qu'une partie réussie, c'est un top 5. Un top 3, allez, maintenant. Parce qu'il y a un nouveau mode plus dur encore, mais je maîtrise pas assez la manette. Parce que je joue beaucoup sur la chaîne, le truc portable. Et c'est quoi le nouveau mode? Mais c'est un mode Invictus. Alors, ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est atroce. Même à la fin, dans le top 10, j'arrive plus à maîtriser les pièces. Hein. Et pourtant, je me débrouille pas mal en rapidité. Mais ça va à une vitesse affolante, et puis les joueurs ils sont trop forts. Quand ils attaquent, c'est 10 fois plus. Faut savoir que c'est donc la première fois que Mathilde joue en parlant. Oui, c'est vrai. Là, je suis plus à l'aise qu'avant. Ouais. Automatiquement, j'étais pas quelqu'un qui faisait des vidéos. Hein. Et du coup, ça joue beaucoup, mais... Le top 10 Elle est déjà dans le top 10. Ah merde, là, j'ai couillé. Oula. Pas de panique. Ça t'attaque, ça t'attaque. Ma devise, c'est... Ah bah ok. Allez, plus que deux chances pour moi d'avoir un jeu. Ah, j'ai été surprise là par l'attaque. Bon, top 10, non, je suis pas satisfaite, mais bon. Ça tombe bien, ça va être la sortie de Zelda. Eh oui. Ah, je suis un peu dégueu. Eh, je suis orgueilleuse, moi, sur ce jeu. Je rigole pas trop fort parce que je suis capable de faire dixième comme ouais, je sais bien. Mais je suis aussi capable de faire première. Ah ben, je le sais bien, c'est pour ça que... Mais c'est possible que je ne le fasse pas, ça m'arrive des fois de jouer sans malheureusement de première. Mais bon, généralement quand j'y joue, dans la journée, j'aime pas m'arrêter tant que j'ai pas fait une première place. C'est mais bon ça. Là j'ai 3 chances, hein, j'en ai pas 12. On va l'avoir ce soir dans le lit jusqu'à minuit. Je veux faire mon top. Non, 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 parce qu'après il y a Cristiano qui joue, donc... Ah, faut savoir qu'on est mercredi soir et la vidéo sortira donc samedi. Quand voilà. Donc il y a la Champions League, la première journée. Bon là je suis fâché. Maintenant, vous voyez j'ai parlé, j'ai perdu. Ah, c'est oui. De la faute à Benji. Ah, je dis plus rien, elle part toute seule. Elle s'y fait, elle la caméra la Mathilde. Elle parle. On ne l'arrête plus. C'est fini, rigolade. Elle va s'énerver, elle va nous faire un 90e. C'est quand que ça m'est arrivé ça? Ah, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Je crois que c'est la première fois que j'ai joué, j'ai dû faire 70e. Le pire c'était dans la semaine. Elle me dit Angie quoi, j'ai fait un top 1, un top 5 et un 26e quoi. Bah c'est bien. Non, c'est de la merde. Je suis trop exigeante envers moi-même. Oh, moi quand j'arrive 72e, je suis content. Non, mais l'autre partie, je me suis fait avoir. Hein. Ça a changé de rythme d'un coup. En fait, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait attaquer. Puis je me suis un peu déconcentré, j'ai mal placé une pièce et des fois, ça se joue une pièce. Hein. Moi, avant, je pouvais encore. Au tout début, j'avais encore réussi à faire un ou deux top 1. Ah oui, t'avais réussi, c'était bien. Mais maintenant que enfin, t'es niveau. Niveau alors, je sais pas quel niveau t'es, mais c'est un peu. 86, je crois. Donc. Des fois, c'est chiant parce que ça me fait mal au doigt de jouer ce genre de tour limite. Des fois, quand je suis mal placé. Comme on est crispé sur la manette car c'est un combat en fait. Hein. C'est comme un combat. Hein. Un seul d'entre vous survivra. Bah ouais. Enfin, là, je faisais partie des 10 quand même. Hein. Quand je fais 10. Mais 10e tout. Avant, ça me suffisait 10e. Maintenant, ça ne me suffit plus. Surtout, des fois, je suis capable de. Alors, pas tout le temps, mais des fois, je suis capable de presque perdre et de me rattraper. Mais là, je. Ouais. J'ai été mauvaise. T'es mauvaise. Je fasse attention quand je me fais attaquer sec là. Hop, ça va riposter. Moi je l'avoue. Ah, moi je te vois jouer, je suis impressionné quand même. Enfin, ouais, mais tu vois, à part quand tu fais ça. Quoi. Parce que là du coup. Oh, purée, on va dire que c'est la manette qui. Mais je suis moins à l'aise sur la manette, je le reconnais. Alors c'est pas une excuse, hein. Là j'ai fait n'importe quoi. Mais peut-être que j'aille un peu moins vite, un peu plus de précision. Ouais, donc on joue avec la manette. Enfin, Mathilde joue avec la manette pro. Hein. Qu'on a trouvé à 20€ dans un cache. Ah oui, c'est vraiment un petit coup de bol là. C'est vraiment, ouais. C'est bon. Danger partiellement éliminé. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, je te reprends là, Mathilde. Bientôt 50.
Je dis bientôt parce qu'il y en a 51. Et ça y est. Elle a fait 2 KO déjà. C'est-à-dire quoi, plus de 25% en bas? Alors là, je ne sais pas. J'avoue, je ne m'y suis jamais intéressé. Peut-être la rapidité. La vitesse de... C'est peut-être la vitesse de descente des pièces. Qui a augmenté de 25%. Après, la rapidité, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Parce que des fois, j'arrive à être précise. Donc là, c'est un gros avantage, mais des fois, je fais des conneries. Hein. Non, mais je parle de la rapidité des pièces qui tombent automatiquement. Ah, et plus vous avancez, plus ça... Moyen de monde, plus ça augmentera. Ça. Peut-être que dans le top 10, ça montera à 30. Faire des chaînes, c'est important. C'est encore plus important. Hop là, outclear. C'est quoi un outclear? Bah, c'est-à-dire que je n'ai plus, j'ai réussi à rien avoir sur mon écran, donc du coup, ça lance plus de puissance à l'autre. Putain, c'est pas vrai. Ah, ouais, plus de. Chut. Ah, bon, excusez-moi. Et donc. À la 30ème place, ça attaque sec. Du coup, ça se concentrer. Non, ouais. C'est pas vrai, j'ai pas de poids. Attention. Oh non! Oh, ça décale, c'est quoi cette manette? C'est... Faut t'as la manette. Oh putain, ma mère. Il me parle pour les 5 points. Oui! Oui, j'ai libéré l'espace! Attention. Vamos. Elle est pareille quand elle regarde un match de foot. Non, je suis en stress. Franglais. J'ai pas envie d'acheter, j'ai pas envie de t'acheter, t'en as déjà eu il y a pas longtemps. Je veux un restaurant. Non pas que j'ai pas envie de lui acheter le jeu, c'est pas vrai. Je veux surtout un resto. Et ça, ils m'attaquent quand même tous en même temps. Précipitation. La concentration. Vous êtes plus que 16. Tu as fait 3 KO. L'oreille. Vous savez que vous grattez dans l'oreille, vous avez pas le temps de vous gratter l'oreille. C'est atroce. Vous êtes plus que 13. C'est moins malin, alors. Merde. Souvent quand on dit ça, oui. Vous avez une couille. Ah, la concentration. Ouais, j'ai fait perdre, hein. T'as vu comment je me suis rattrapé? Tu te reprends bien, franchement. Ouais, j'étais vraiment deux doigts du chaos. Là. Et il faut, c'est là où des fois je réfléchis. Au lieu d'aller vite comme une fille folle, il faut réfléchir un peu. Mais j'ai des coriaces parce que je suis redescendu, mais il reste quand même. Eh, tu es dans le top 10 déjà. Bah, j'ai fait 10ème tout à l'heure, hein, les gars. Ah, la vitesse est toujours à 25. Ah non, c'est pas la vitesse du coup. Plus 25%, j'en sais rien ce que c'est que ça. Alors, si vous savez ce que c'est, le petit plus ouais, 25%. Ouais, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, moi ça m'arrangerait bien de le savoir. Bah, moi aussi, parce qu'on sait jamais, c'est peut-être un truc hyper important que je néglige. Peut-être. Tu as fait 4 KO, Manus, et tu es 6ème. Je fais déjà mieux que tout à l'heure. Pas 6ème, tu es dans le top 6. Top 5, Manus. Chut. Pas de stress, y'a de stress. Attention. Tu n'es plus trop attaqué. Si t'en as. Tu peux trop attaquer, t'as pas vu comment je suis d'un coup. Oui, y'en a qu'un, quoi. Bon, ça va-t-il. Je me fais engueuler. Non, mais c'est pas que tu me déranges, mais c'est que là, ça va tellement vite qu'il faut pas que je fasse de conneries. Tout à l'heure, j'ai failli en faire. Oh la vache, le salaud, comment il m'attaque! Non! Oh. Non! Oui, t'as décalé! Non, 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 non! Oh, ça a la mère! Bon, je suis satisfait quand même! Ouais. La deuxième? Deuxième non, ou troisième? Troisième. Comment... Ah putain, sa mère, je suis à un doigt de lui payer un jeu. Un jeu, ouais. Il va être content. Et le troisième, c'est bien, je suis contente. Autant la première! 88, comme les Vosgiens! Ouais! Vosgiens! Nova, non mais même Innova elle a gagné quoi. Ouais. Allez. Allez, sophrologie. Et ça stresse hein, quand on est en ligne en fait, ça me fait trop mal l'estomac. Attention, dernière partie dans ça, 3. C'est de la faute de la manette. Hein. 2. C'est bon, j'ai mis rejouer. Bah, tu peux pas laisser faire le compte à rebours. Mais tu peux le faire maintenant. Pas tu... Non, c'est trop tard. Ah, là, je suis un peu dégoûté, mais bon, là j'ai pas pu faire grand chose. J'ai aucun regret. Autant la première partie j'ai eu un regret. Autant cette partie-là, j'ai aucun regret, je pouvais rien faire là, contre l'attaque. Vais-je avoir mon Zelda gratuitement? Peut-être. Après, je vais être honnête, hein, je serais contente de gagner parce que j'aime bien gagner. Mais par moi contre, aussi, je serais contente de gagner. Bah, mais je serais contente de manger resto aussi. Si je peux lui offrir un petit jeu, c'est pas le dérangeant non plus. C'est pas le pire truc du monde. Hein. Voilà, j'aurais sauté par la fenêtre, ça aurait été dur. Du coup, on va en faire plus souvent. Fais gaffe parce que si je gagne, t'es mort. Moi, ça me dérange pas de manger resto. Même si t'occupes, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre.
Par contre, je trouve que c'est pas très juste, je me suis fort fait attaquer. Hein. Ouais. C'est à cause de la manette, elle bug. Non, j'ai un tout petit peu moins de précision à la fin, mais c'est... Mais là, je pouvais rien faire, honnêtement. Ah, c'est sûr. Je me suis fait attaquer d'un coup par deux personnes. C'est... Ah, puis c'est pas pareil, hein. Tu joues sur un autre écran, sur... Tu es en vidéo. Troisième, ça me plaît bien. La deuxième partie me plaît bien parce que j'ai fait des bonnes choses. Ouais. J'ai bien résisté, autrement j'ai failli perdre à la 30e place. J'ai cru que j'allais cuire. C'est sûr. Mais il faut dire aussi que même la première partie, hein, t'étais dans le top 10. Hein, non, c'est pas bon ce que j'ai fait la première partie parce que c'est de ma faute si j'ai perdu. J'ai fait une erreur. J'ai mal placé une pièce et après on m'a attaqué. Donc du coup, j'étais pas organisé pour pouvoir défendre. Donc c'est de ma faute. Impressionnante, la Mathilde. C'est impressionnant quand j'aurais fait une première place. Voilà, c'est la concentration de la dernière partie, hein. On ne dit plus grand chose. Bon après, la concentration au tout début de partie, ça me dérange moins de parler. C'est vrai qu'à la... À la fin, c'est plus dur parce que ça va bien vite. Aye. Vous faites attaquer, il faut pas faire de conneries. Tu vois là, t'es toujours à 0,00. Ouais, là, je sais pas ce que c'est, donc n'hésitez pas, c'est vraiment si vous le savez. Ça se trouve, c'est la vitesse. Moi, je pense que c'est la vitesse, mais à la fin, ça n'augmentait pas, je crois. Alors après, la vitesse, ça dépend aussi pas mal de choses, parce que moi, je crée de la vitesse. Parce que regardez, si je ne crée rien, on y est encore pour 2 heures. Hein. C'est sûr, mais je crois que dans le top 50, après le top 50, ça accélère déjà. Ah oui, ça accélère, oui, c'est clair. Oui, mais je le sens hein, dans la manette. Hein. Et c'est ça qui m'a surpris, des fois qui me surprend, c'est que des fois ça accélère d'un coup quand j'arrive vers le top 10. Alors moi je suis tranquille en train de jouer, et puis là je dis oh là là. Et puis là c'est. Et la musique aussi, ouais, donc ça stresse. Ouais, la musique est très. Non, c'est très bien fait, hein. J'adore ce jeu, hein. Il est trop bien fait. Et donc maintenant t'as des différents thèmes, t'as différents modes, t'as plein de choses. Ouais, hein. J'ai eu Splatoon. Parce qu'en fait, des fois il y a des événements, et si vous arrivez à première à faire au moins une fois première, vous avez un top 1, vous avez le mode. Le mode qui se débloque, donc le thème. Et, oui, parce que c'est pas, ouais, c'est pas pareil. Donc c'est un fond d'écran avec des musiques. Voilà, des musiques différentes, c'est bien. J'avais eu. Fire Emblem. Oui, et puis. La Game Boy. Voilà, la Game Boy. Et Splatoon, j'avais bien aimé, c'était marrant, c'était plus ludique. Fire Emblem aussi, ça faisait un peu musique de guerrier, c'était un combo. Ça s'apprêtait. Putain, j'arriverai pas à parler. Bien, oui. Excusez-moi quand je dis putain dans le jeu, hein, c'est pas du. Ouais, je suis une vulgaire là, mais c'est dans le move. Vous voyez, là j'ai quand même pas mal de monde sur le dos. Ouais, mais bon, bêtise, comme t'es. Ouais, mais vous voyez, ça c'est dangereux parce que pour l'instant je monte pas, mais c'est possible que d'un coup je monte, tu vois. Donc ça c'est dangereux. Donc, c'est pour ça il faut pas jouer avec le feu. On va faire redescendre tout. 50. On va faire redescendre tout le monde. Là ça va friter les gars, il va y avoir du chaos, je vous le dis. Et la vitesse n'a pas augmenté encore. Un peu, je le sens. Vous le voyez peut-être pas, mais moi je le sens. Donc c'est pas le plus 0,00%. Ah quoi. Ouais, je sais pas, la musique a augmenté, mais la vitesse, je sais pas. Alors là, ce qui est bien, c'est quand vous avez plein de gens sur vous, à chaque fois que vous mettez une pièce, vous voyez rien, il y a des grosses flammes. Ah, vous voyez. Alors là, je vais la jouer. Du coup, c'est pas bien. Ah bah si, parce que des fois, ça me dynamise. Mais... Ça dépend des fois. Ce qui est bien, c'est que ça riposte, quoi. Donc du coup... Ah bah là, c'est vrai que ça fait combat acharné, un peu. Mais des fois, je suis pas challengé comme ça, je vous avoue qu'il y a des parties plus tranquilles. Mais là, j'avoue qu'il m'épargne pas quand même, hein. Le jeu là. Tu as fait 2 KO, Manus. 3 KO, pardon. Ah, mais plus vous avez vos monde sur soi, plus derrière. Tu les fumes tous. Non, pas tous, il y en a 2 qui m'ont fumé tout à l'heure. Là, la vitesse a augmenté de 50%, non? Enfin, j'en sais rien, c'est marqué plus 50. Je ne comprends pas. De 50%? Non. Enfin, 0 plus 0,50. Je sais pas si c'est. Non, je sais rien. Je crois pas que ça soit la vitesse. Non, ou alors c'est le nombre de KO, j'en sais rien. Il y a un truc. Regarde, t'as des niveaux. T'as des échelons là ou je sais pas quoi quand tu fais un KO, j'en sais rien ce que c'est. Honnêtement me baser là dessus mais non ça peut pas être ça. J'ai pas l'impression vraiment. J'ai une phobie, ça me stresse. C'est bête ça. Je pourrais pas faire de compétition moi. Je me dis j'ai trop. Alors là quand il y a un enjeu. Mais souvent Mathilde quand il suffit de parier quelque chose pour qu'elle gagne. Oui mais là on est en vidéo. Tu vois, j'ai envie que tout le monde... T'applaudisse. Ouais. Dise, oh, elle a fait un top 1. Oh, elle est trop forte. On va me dire, oh, elle est forte, mais bon, elle a pas réussi. Si j'en fais un, là, je joue ma réputation. Waouh.
Vous êtes dans le top 19. Pour l'instant, t'es pas trop attaqué. J'y étais plus au début. Mmh. J'y étais avant, ouais. Ouais. Mais c'est pas bon quand je suis pas attaqué à ce moment-là, ça veut dire que je vais me faire attaquer dans le top 10. Et ça marche au joystick alors, t'as essayé? Non, ça marche pas au joystick. Et puis j'ai pas envie d'essayer parce que voilà. Ça me perturbera complètement. Surtout pas maintenant. Oui, parce que j'ai envie d'essayer. Hein. Sur un malentendu, hein. Ça peut passer. Je sais même pas si on me voit bien dans la caméra parce que vu que je penche la tête. Vous allez voir des boules Benji. C'est ça. Alors. Le suspense est à son comble. On arrive dans le Moon Time. La musique est trop bien. Quoi. J'aime pas beaucoup ça. Je suis. Ah, bordel, Mathilde. Ça, c'est pas bon, ça. Top 10. Ne fous pas de ma gueule. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est mieux que rien. Allez, Mathilde. Saleté de jeu, qu'elle est en train de dire. Wow, Mathilde, va-t-elle gagner? Et vous êtes plus que 3. Chut. Chut. Attention. Un resto est en jeu. Un grand resto de la gastronomie française. Non, je vais faire attaquer. C'est pas juste, pourquoi moi? Ah, salopard, il va avoir son jeu. Oh, bien joué, deuxième. Bon, bah, j'aurais le plaisir de t'offrir un jeu. Troisième, je suis désolé pour vous. À troisième, entre troisième. Bon, bah, bravo, t'as gagné un jeu. Ah, je suis un peu déçu. Non, moi aussi, je suis un peu déçu parce que. Ah, j'ai franchement, bien, j'y croyais. Ouais, aussi, mais vous avez vu comment c'est trop. Je sais pas, j'ai rien pu faire là. Ouais. Bon, je suis content, j'ai avoir un jeu. Mais. Mais non, je t'offrirai un petit jeu, mon chéri. Un petit Zelda. Oui, si tu veux. Autant te prendre un jeu qui te plaît. Désolé, j'aurais bien vous. Mais j'aurais bien aimé, ouais. J'aurais bien aimé que tu fasses. Une première place, mais bon, je suis contente sur les deux dernières parties. C'est vrai que c'est. Là, c'est pas de ma faute. Ouais. Quand c'est pas de ma faute, ça me frustre pas. T'as fait quand même 3 top 10. Alors la première, je me souviens plus du tout le score que t'as fait. 10e. 10e ? 10e, ouais. D'accord. Ça, c'est pas bien. Par contre, 2e et 3e, c'est beau. Bah oui, bah, bon c'est... après. C'est beau. Je me suis fait battre par quelqu'un qui est au niveau 4 quand même. Non, 40 à mon enfin 400. Non, j'en sais pas. Bah, quand il y a un 4 et une étoile, parce que je sais pas quoi ça correspond. Par exemple, le mec il est au niveau 4000, vous savez. Non, mais voilà. Bon, ben. Non, mais bravo. Ouais, un peu déçu quand même pour de pas avoir fait première. Bravo, mais bon, ouais, je me suis battu. Ouais. Puis ça m'énerve parce qu'il est content. J'ai gagné un jeu. Il a gagné un jeu. C'est bien. Ouhou. Au moins ça préservera ma ligne de ne pas manger de resto. Oh, on ira peut-être au resto quand même. On verra bien. Je t'en ferai un McDo. Oh non, je préfère un vrai resto. Moi, je voulais aller au Kinder à Reims. Allez, hein. Bisous tout le monde. À la prochaine. Et puis, j'en ferai un test hein, plus tard, hein, s'il faut. Hein. Oui. N'hésitez pas, hein, si vous voulez on que je... On fera un pari, il y aura d'autres jeux à gagner. Voilà, si vous voulez que je recommence, bon, si vous aimez pas, vous le dites, hein, comme ça on recommence pas, mais si vous aimez bien, il faut le dire. Hein, Faut dire que vous aimez bien, le mois prochain, il y a Luigi Mansion. Ah oh, mais je vais m'entraîner. Allez. Allez, ciao. Salut.